Le monde est vivant. Au rythme de sa vie quotidienne, nous sommes chez nous, travaillons, nous promenons, rendons visite à nos amis, rions et vivons notre vie avec chaque pulsation de notre cœur, une vie d'aujourd'hui. Et pourtant, il y a toujours un peu de passé dans la vie d'aujourd'hui. Alors tu vois ici, c'est l'hôtel des Invalides, n'est-ce pas? C'est le musée de l'armée qui est dédié à la gloire de l'armée française. Oui, tu as fait la guerre, tu as été prisonnier aussi, mais pourquoi? Mais bien sûr, j'ai fait la guerre, ton grand-père aussi, n'est-ce pas? Et nous avons eu cette malchance, si tu veux, d'être fait prisonnier tous les deux. Lui en 14-18, moi en 39-45. Et ce serait presque, comment dit-on, une tradition dans notre famille d'être prisonnier de père en fils. Seulement, en 1939-40, eh bien, c'était la guerre contre Hitler. C'était une chose terrible, et parce qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, c'était le nazisme, et c'était une chose épouvantable, la pire chose que le monde ait pu connaître à cette époque. Mais il faut être optimiste. Je pense que maintenant, eh bien, ces choses-là, eh bien, vous ne les connaîtrez plus. J'espère. Mais bien sûr, il y avait des Allemands, j'en ai connu d'ailleurs, qui ont combattu aux côtés des Français, dans les maquis, en France, dans la résistance française, n'est-ce pas? Eh bien, il faut tout de même considérer qu'avec ces Allemands-là, eh bien, nous pouvons nous entendre, parce que ce n'était pas tout le peuple allemand. Le monde est vivant, chaque jour confiant et nouveau. Nous construisons des maisons, aimons les rivières et le soleil, rions et pleurons, vivons notre vie avec chaque pulsation de notre cœur, une vie d'aujourd'hui. Et pourtant, il y a toujours un peu de passé dans la vie d'aujourd'hui. J'ai aussi participé à l'attaque de Berlin. J'y étais. C'est vraiment une chose unique dans ma vie. Notre armée et notre peuple ont remporté la victoire. Nous avons résisté. Nous avons défendu notre pays et toute l'humanité devant un ennemi terrible, une cruauté unique au monde. Nous ne pouvions pas permettre au fascisme de triompher sur la terre. L'impression qu'a faite cette victoire sur notre peuple, sur chaque soldat, ne fait aucun doute. Moi aussi, après la prise de Berlin, j'ai écrit mon nom sur les murs du Reichstag. Comme tous les autres, j'avais compris que notre époque entrait dans un chapitre nouveau, paisible, un chapitre de travail créateur. Les peuples ne doivent pas permettre que tout ce que nous avons construit et que nous construisons encore puisse être une nouvelle fois détruit. Il faut empêcher cela. Je crois que les peuples du monde entier ont leur mot à dire à ce sujet, et qu'ils ne laisseront pas éclater une nouvelle guerre. Nous vivrons en paix. Quand j'entends parler des manœuvres de l'armée allemande dans ce pays, je suis indigné au plus haut point, car en tant qu'ancien soldat, je sais que l'on nous avait promis en 1945, lorsque les accords de Potsdam ont été signés,
que jamais nous ne permettrions au militarisme allemand de renaître et de menacer de nouveau la paix en Europe. En tant qu'ancien combattant, je me sens trompé, tout comme des milliers de mes camarades qui ont donné leur vie pour la lutte contre le fascisme. Nous pensons que les hommes politiques nous ont laissé tomber. Nous protestons contre cette tromperie. Nous ne sommes pas anti-germaniques, même si nous disons que nous refuserons d'accorder à l'Allemagne de l'Ouest et à toute autre Allemagne une arme atomique. Nous savons bien ce que les nazis ont fait subir, non seulement au peuple allemand, mais aussi au nôtre. C'est pourquoi, en entendant cela, peu importe que les manœuvres soient dans notre pays ou dans un autre, qu'on leur accorde les armes nucléaires ou conventionnelles, quand nous entendons cela, nous disons que tous les principes sont violés pour lesquels nos jeunes ont lutté et ont donné leur vie. Nous vivrons en paix, telle l'éternelle aspiration des hommes. Et pourtant, il y a eu la guerre, une guerre cruelle née sur le sol allemand. Adieu aux fils, aux maris, aux aimés. Des millions ne sont jamais revenus. Les peuples ont été envahis par surprise, sans déclaration de guerre. La machinerie de guerre de l'Allemagne, soigneusement préparée par l'industrie de l'armement, a été utilisée sans merci par les fascistes. Ils voulaient une guerre de pillage. Ils ont mené leur guerre de pillage dans les pays d'Europe. Célébrer la victoire de leur guerre de pillage. Les soldats allemands savaient-ils seulement pourquoi ils devaient conquérir les territoires étrangers? Savaient-ils en quel honneur les maisons brûlaient et les hommes mouraient? À qui l'honneur, à qui la honte? Les soldats se rendaient-ils compte de quelles actions les fascistes les louaient et les décoraient? Ceux qui étaient attaqués, ceux qui n'avaient plus de droits, le savaient eux. N'y avait-il donc pas de solution? L'Europe devait-elle s'enfoncer dans le fascisme? Pour cela aussi, on a distribué des décorations. C'était là une bonne affaire pour la grande industrie allemande. So fordere ich die Dänemark-Kameraden auf, mit mir einzustimmen in den Ruf. Unser geliebter Führer und Freikanzler Adolf Hitler. Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Savaient-ils où ils allaient, les prisonniers, les déportés, et les sentinelles et les fiers officiers, le savaient-ils? Mais cela le savaient, ces messieurs des monopoles et leurs aides dans les SS. C'est bien eux qui ont préparé avec un soin de bureaucrate tous les transports, c'est bien eux qui organisaient ainsi leurs profits industriels. Buna à Auschwitz, l'un des terribles terminus.
avec chaque pulsation de notre cœur, une vie d'aujourd'hui. Parce que le fascisme n'est pas sorti vainqueur. Parce que dans cette ville, on a barré la route à la guerre. Cela a coûté des millions de victimes. Des millions de mères ont souffert. Des millions de destins ont été marqués par la guerre. Des millions, ce sont des statistiques. Un destin pour des millions d'autres. Nous étions à Stalingrad quand la guerre a éclaté. Il était prévu que nous soyons évacués à Krasnoarmeïsk. Une fois arrivés là, il nous fallut traverser la Volga. La traversée a été difficile. Nous étions sur une petite barcasse. Il y avait beaucoup d'avions qui nous attaquaient. On ne voyait plus le ciel. Tout était noir. Nous avions très peur parce que la barcasse transportait de nombreux enfants. Le capitaine nous cria soudain de protéger les enfants avec n'importe quoi. Chacun d'entre nous se saisit de ce qu'il avait à portée de la main pour en couvrir les enfants. Les hommes sautaient à l'eau, mais nous, nous restions là, en attendant la mort. Après la traversée de la Volga, on a commencé à nous bombarder sur l'autre rive. Nous étions donc obligés de poursuivre vers Saratov. Pendant tout le chemin, nous avons été bombardés. À Saratov même, ce n'était pas mieux. Nous avons fait la route, soit à pied, soit en voiture. L'une d'entre elles voulait bien nous prendre. Quand les bombes tombaient, nous nous arrêtions. Nous mourions de faim. Les enfants étaient épuisés. Nous aurions été heureux qu'on nous tue pour ne pas avoir à subir tout cela. Dans cette ville, on a barré la route à la guerre. L'Europe ne s'est pas enfoncée dans le fascisme. Dans cette ville, on a mis un point final au pillage du militarisme allemand, au nom de la paix future, pour le monde vivant, pour la vie d'aujourd'hui. L'écrivain anglais Alexander Wirth, témoin des combats, a déclaré à ce sujet. Well, I mean, as you know, I was in Russia from 1941 to 1948, and... Comme vous le savez, j'ai vécu en Russie de 1941 à 1948. Et pendant toute cette période, j'étais correspondant de la BBC et du Sunday Times. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans tout le pays et de voir beaucoup de gens, les civils et les soldats. Ce fut vraiment un moment encourageant de voir ce peuple en guerre. C'était véritablement une guerre populaire. Chacun y mettait toute son énergie. Les pertes russes ont été énormes. Ils ont perdu 20 millions d'hommes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente. Le président Kennedy parlait cordialement des Russes et il a même déclaré qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il y ait une guerre entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les Russes ont plus souffert que n'importe quel peuple. Et c'est là l'un des points que je tiens à poser dès le début de mon livre, Russia at War, la Russie en guerre. L'alliance entre les États-Unis, l'Angleterre et l'Union soviétique était d'une importance absolue. L'Union soviétique est des trois celle qui a le plus souffert. L'aide économique de l'Amérique était importante, bien que son rôle n'ait pas été essentiel. Cependant, elle a été assez importante pour créer une grande différence auprès des Russes, surtout à partir de 1943, après Stalingrad. C'est ce que l'on a appelé l'étrange alliance. Les Américains l'ont appelé étrange alliance, et évidemment, elle avait, à bien des points de vue, quelque chose d'étrange. Elle était bien sûr inévitable. On frissonne à l'idée de ce qu'aurait pu devenir la Seconde Guerre mondiale si cette étrange alliance entre l'Angleterre, l'Amérique et l'Union soviétique n'avait pas eu lieu.
Ces pays s'étaient alliés contre l'Allemagne nazie, et ce n'est que par leur front commun qu'ils sont parvenus à vaincre cette terrible menace pour le monde entier. Il y a aussi autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure. Lorsque je parlais de 20 millions d'êtres humains que la Russie a perdus, je voulais parler aussi de tout ce que j'ai vu. Par exemple, Leningrad avec ses 3 millions d'hommes, dont 1 million sont morts de faim. Avec 20 millions de morts, la Russie ne pouvait pas oublier la Seconde Guerre mondiale. Elle a laissé une marque profonde dans le caractère russe, et qu'on le veuille ou non, depuis la guerre, cela est la base de la politique extérieure de l'Union soviétique. La méfiance de la Russie envers l'Allemagne et envers tous ceux qui aident l'Allemagne à redevenir une grande puissance militaire existe encore. Il est important que l'on n'oublie pas que personne, mis à part les États-Unis, ne tient vraiment à donner la bombe atomique à l'Allemagne. Le général de Gaulle est absolument contre, et le gouvernement britannique, malgré son attachement au président Johnson, est au fond contre les mesures comme la force atomique multilatérale. Le passé appartient à notre vie comme avertissement pour le présent. À Stalingrad, les troupes soviétiques ont barré la route à la guerre. Alors, tous ceux qui n'avaient pas voulu la guerre ont organisé les forces existantes pour la guerre antifasciste. Les agresseurs ont dû céder. Mais ils sont restés fidèles à leur morale de pillage. Exploitez les hommes, et quand vous ne pouvez plus les exploiter, faites-les disparaître. La terre brûlait. Les hommes humiliés brûlaient de haine. Ils reprenaient courage dans toute l'Europe. Ils venaient d'apprendre que le terrible ennemi n'était pas invincible. Que ceux qui prennent les armes, sans en être obligés, meurent eux-mêmes par les armes. Des millions d'Allemands sont morts, victimes, eux aussi, trompés et abusés pour la chose la plus mauvaise du monde. La marche sur Moscou, ils l'avaient imaginée autrement. Mais c'était mieux ainsi, pour eux aussi. Le terrible ennemi n'était pas invincible. L'invasion des troupes anglo-américaines au nord de la France l'a prouvé aussi. Cependant, les fascistes allemands dominaient encore une grande partie de l'Europe. L'oppression et le pillage des peuples, la misère des hommes humiliés, ne pouvaient prendre fin que si toutes les forces antifascistes alliées unissaient et intensifiaient leurs efforts. Monsieur Kraminov, correspondant de l'agence de presse TASS, se souvient. Последний год прошлой мировой войны я был советским военным корреспондентом с войсками. Pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, j'étais correspondant de guerre auprès des troupes alliées, d'abord en Afrique du Nord et ensuite en Angleterre. J'ai participé enfin au débarquement des troupes alliées en Normandie. J'ai effectué avec elles toute la marche de la côte jusqu'à la rencontre des troupes soviétiques au cœur de l'Allemagne. Les soviétiques, et moi aussi bien sûr, avons attendu longtemps l'ouverture d'un autre front.
Certaines personnes en Occident ont qualifié et qualifient aujourd'hui encore l'alliance entre l'Union soviétique, l'Amérique et l'Angleterre d'étrange et même de ridicule. Je dois dire que pour les soldats, pour les simples gens en Angleterre, en Amérique et en Union soviétique, cette alliance n'était pas étrange du tout. C'était une alliance des peuples décidés à n'importe quel prix, à celui de leur sang et de leur vie même, à détruire le fascisme allemand et à libérer les peuples d'Europe et parmi eux le peuple allemand. L'Alliance des peuples a libéré l'Europe du fascisme allemand. Disons-le à l'honneur de l'Allemagne. Il y avait aussi des Allemands dans la lutte de libération antifasciste. On voyait enfin la fin de la guerre et une nouvelle question apparaissait. Que faire pour que jamais plus une guerre ne naisse sur le sol allemand? Les chefs des gouvernements alliés se sont rencontrés à Yalta. Le président Roosevelt, déjà gravement malade, venait d'Amérique pour débattre avec Staline et Churchill les principes du contrôle de l'Allemagne, les principes de l'occupation et les principes de la transformation. Les trois grands élaborèrent une déclaration sur l'Europe libérée et un plan d'organisation des Nations Unies. La guerre, qui était née sur le sol allemand, se retournaient sur le sol allemand. Les unités des alliés occidentaux traversèrent le Rhin. Les chefs fascistes donnèrent l'ordre de mener la lutte jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière maison, jusqu'au dernier membre de la jeunesse hitlérienne. L'armée soviétique préparait un large front sur l'Oder pour l'attaque de Berlin. Sur l'Elbe, au cœur de l'Allemagne, les troupes victorieuses des Alliés de l'Est et de l'Ouest se rencontraient. Leur rencontre scellait leur alliance. Les fascistes avaient essayé en vain de détruire cette alliance au dernier moment et de sauver ainsi une demi-victoire. Les soldats soviétiques occupèrent la ville de Berlin. Des centaines, des milliers de kilomètres avaient été parcourus en luttant. Il y avait parmi eux ceux de Saratov. Et ils avaient écrit leur nom sur les murs du Reichstag. Venus de Saratov, nous sommes arrivés victorieux à Berlin. Ils fêtaient la victoire.
ils n'avaient pas permis au fascisme de triompher. Cette victoire avait coûté cher. Et la paix, il fallait encore la conquérir définitivement et la protéger contre une nouvelle menace. Le fascisme laisse des marques cruelles, inhumaines dans notre vie. Et ces images appartiennent, elles aussi, à l'heure de la victoire. Le caméraman américain s'est fait certifier par un notaire le caractère documentaire de ces prises de vue. La morale d'une guerre de pillage ne connaît pas de frontières. Les peuples alliés l'avaient appris. Les expériences durement acquises marquaient leurs soucis concernant l'après-guerre, leurs soucis concernant le monde d'aujourd'hui. Les connaissances durement payées exigeaient une collaboration efficace au-delà de la victoire. L'alliance de guerre des alliés devait devenir une alliance de paix. Cette loi de l'histoire, les peuples et leurs soldats l'avaient gagnée et assimilée en commun. C'est ainsi que les commandants militaires se rencontrèrent après la lutte, début juin 1945, afin de fonder le Conseil de contrôle des Alliés, le pouvoir supérieur en Allemagne. Un mois après, c'était le début de l'historique conférence de Potsdam. Les Alliés voulaient créer en commun la garantie que jamais une guerre ne puisse naître de nouveau sur le sol allemand. Les principaux points étaient: le militarisme et fascisme allemand doivent être détruits. L'Allemagne doit être désarmée et démilitarisée. Son industrie de guerre doit être liquidée. Les criminels de guerre et tous ceux qui ont participé à la planification des crimes de guerre doivent être arrêtés et soumis au jugement d'un tribunal. Les associations de concernes et de monopoles, les sources économiques de la guerre de pillage fasciste, doivent être liquidées. L'amiral Kouznetsov, pendant la guerre commandant en chef de la flotte soviétique, membre des délégations de Yalta et de Potsdam, nous évoque ses souvenirs. Менее полугода прошло с тех пор, как закончились совещания в Ялте, но атмосфера... Moins de six mois après la clôture de la conférence de Yalta, l'atmosphère de celle de Potsdam était bien différente. Les tâches qui se posaient à la conférence de Potsdam étaient-elles aussi tout autres. Au lieu de la question de mener victorieusement la guerre à sa fin, il s'agissait maintenant des questions nouvelles et complexes d'une paix durable. C'est pourquoi la délégation soviétique à Potsdam a jugé bon de présenter un programme complet. Que contenait-il? Il contenait surtout les mesures destinées à empêcher la renaissance du militarisme et du nazisme allemand. Cela comprenait des mesures économiques générales qui pourraient nous protéger à l'avenir d'une nouvelle agression. Militarismu и нацизму. С
Сюда входили и более широкие мероприятия экономического порядка, которые оградили бы нас от возможного возрождения. La délégation soviétique partait du point de vue que le peuple allemand lui-même devait tirer la conséquence de ses défaites et se préparer lui-même à une édification d'une vie politique démocratique en Allemagne. Comme on le sait, la conférence de Potsdam a adopté une série de décisions importantes, non pas immédiatement, mais après de longs et profonds débats. Il y avait aussi des points sur lesquels les opinions ne différaient aucunement. Cela concernait la poursuite des criminels de guerre, par exemple. Pour les autres questions également, des décisions ont été négociées et adoptées, et la conférence de Potsdam parvenait aux décisions que le peuple attendait depuis longtemps et que l'Europe avait espéré et espère. Вынесла те решения, которых долго ждал народ и которые, на которые надеялась и надеется вся Европа. Les peuples alliés et leurs soldats avaient lutté et fait des sacrifices pour un but commun. Il leur semblait évident que leur alliance se poursuive après la guerre. Et qu'est devenue l'Allemagne? Les Alliés voulaient détruire le fascisme et non le peuple allemand. Les Allemands devaient avoir la possibilité de se créer une nouvelle vie sur leurs ruines. Les ouvriers, les travailleurs ont apporté une énorme contribution à la réédification. À ce moment-là, on ne voyait rien des monopoles en Allemagne, mis à part les procès des criminels de guerre. Pour les antifascistes allemands qui avaient lutté aux côtés des alliés, les accords de Potsdam étaient leur propre programme. Ils dirigèrent la réédification et montrèrent le chemin qui menait le peuple allemand dans la communauté des peuples libres et pacifiques dans le monde. Les hommes écoutaient leurs paroles avec une attention d'autant plus aiguë que leur expérience avait été amère. Ils commençaient à comprendre la loi de l'histoire. Les Allemands, à l'Est comme à l'Ouest, donnèrent leur voix en faveur de l'expropriation des criminels de guerre. Mais comment se fait-il que leur volonté, conforme aux accords de Potsdam, n'ait été réalisée que dans l'Est de l'Allemagne, en République démocratique allemande ? George Wheeler, chef de service au département économique de l'administration militaire américaine en Allemagne, nous donne une réponse précise. Potsdam Treaty broken. Why was it not carried out? Well, that's a long and complex story. But it seems to me, and I. Pourquoi les accords de Potsdam ont-ils été violés? Pourquoi n'ont-ils pas été réalisés? C'est là une histoire longue et compliquée. Mais il me semble que les documents confirmeront point par point le fait que la responsabilité en revient essentiellement aux représentants de Wall Street. Ils étaient, pour ce qui est de l'Allemagne, directement liés à la politique des États-Unis et se trouvaient aussi en Allemagne pour réaliser cette politique. Ces hommes étaient entre autres John G. McCloy, les frères Dallas, Paul Nitzley dans le domaine politique,
Burns et Murphy, le ministère des Affaires étrangères en tant que conseiller de Clay en Allemagne, et Clay lui-même, qui n'était pas un homme politique, mais qui dirigeait et réalisait les mesures fixées par Wall Street. From the very beginning, he was opposed to the fundamental policies of the Potsdam Agreement. And this was typical of... Dès le début, Clay a été contre la politique fondamentale des accords de Potsdam, fait tout aussi caractéristique pour le général Draper et d'autres représentants de Wall Street en Allemagne. On reconnaît leur méthode de travail à l'exemple de la réforme monétaire. Des mois entiers, les quatre puissances ont débattu à Berlin au sujet de l'impression de la monnaie prévue pour toute l'Allemagne et d'une réforme monétaire qui devait prendre en considération les différentes couches de la population allemande. Au moment où ces entretiens étaient en cours et où les moindres détails étaient fixés, au moment où fut décidé qui aurait le contrôle des planches à billets, bref, au moment où tous ces détails étaient déjà éclaircis, le gouvernement des États-Unis fit imprimer une monnaie séparée à Washington. Ce n'est qu'à la dernière minute qu'il informa ses alliés britanniques et français qu'il mettait en circulation dans la zone américaine une monnaie spéciale imprimée à Washington et obligeant ainsi les Anglais et les Français à accepter cette monnaie. Perhaps the thing that most frightened the Wall Street representatives and which made them in a greater hurry. La raison de cette crainte subite des représentants de Wall Street, qui les mena à la violation flagrante des accords de Potsdam, exigeant que l'Allemagne soit traitée comme une unité économique, fut peut-être le vote réalisé en 1946 dans la zone américaine et concernant les constitutions. Par ce vote, le peuple allemand avait donné son accord pour la nationalisation des institutions bancaires et de l'industrie lourde. Le général Clay tenait à avoir un vote séparé sur ces points et espérait naturellement que cette nationalisation serait refusée si l'on ne la considérait que comme une partie de la Constitution. Et au lieu de cela, le vote confirma que le peuple allemand était décidé à liquider les monopolistes et à éviter une nouvelle guerre en empêchant cette sorte de coopération entre les concerns et des certains accords internationaux qui, pendant la dernière guerre, avaient financé le nazisme. C'est ce que l'on exigeait essentiellement des grands monopolistes, et une fois leur pouvoir économique perdu, une telle chose ne leur serait plus possible. Which the big monopolists had been most active in promoting would no longer be possible if they were robbed of their economic power. And it was because they saw after this vote in West Germany. Après ce vote en Allemagne de l'Ouest, on reconnut qu'il n'était pas possible de sauver le capitalisme dans toute l'Allemagne. Et depuis 1946, chaque pas qu'ont franchi les alliés occidentaux et surtout les Américains a pour but de conserver la division de l'Allemagne et de sauver le capitalisme des monopoles dans sa partie occidentale. Des noms célèbres. Les rapports de force restant les mêmes, la concentration du pouvoir plus intense que jamais, tels sont aujourd'hui les gros profiteurs. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir militaire, tel est leur programme. Et aujourd'hui déjà, la première puissance économique de l'Europe occidentale est aussi la première puissance militaire. Ceux que gagne l'inquiétude sont de plus en plus nombreux. Le général Petit, chef de la mission militaire française à Moscou, qui entra dans Paris libéré avec le général de Gaulle, donne son opinion. Nous voyons la République fédérale allemande
s'engager dans la course aux armements, avec l'aide, d'ailleurs, des États-Unis. Elle fabrique des armes atomiques, animée par cet esprit de revanche et de conquête, comme si nous étions encore dans un pays sous le temps de Hitler. Ce sont des conditions que nous ne pouvons pas accepter. Par ailleurs, nous devons remarquer que la République fédérale allemande devrait être démocratisée d'après les accords de Potsdam. Peut-on vraiment affirmer que la démocratie règne dans ce pays? Je crois qu'il serait difficile de répondre que vraiment la République fédérale allemande est une république démocratique. Car même si elle est dans la Constitution, si le mot se trouve dans la Constitution, il y a loin des termes à la réalité. En ce qui concerne l'industrie, il était prévu également que les cartels ne renaîtraient plus, que cette industrie serait contrôlée afin précisément qu'il n'y ait pas de possibilité de fabrication de guerre. Une guerre terrible est partie du sol allemand. Ils y ont participé et en ont reçu le paiement. Ils entretiennent le mauvais esprit du passé. Hier, adversaires, aujourd'hui alliés, marchent-ils ensemble dans l'esprit des accords de Potsdam? Les adversaires de Potsdam attisent la haine et l'esprit revanchard. Cet homme est ministre du gouvernement fédéral. C'est lui qui a dit qu'il fallait surmonter Potsdam. La théorie fasciste doit-elle triompher aujourd'hui en Allemagne? Nous vivons aujourd'hui avec les expériences du passé. Notre avenir sera la paix. Arrivé à Paris, j'ai retrouvé quatre de mes enfants. Et là, j'ai été dirigée sur un hôpital parisien, et après, j'ai donc appris, j'ai eu la certitude que mon mari avait été fusillé et que mes parents, ma fille aînée et ma sœur, étaient morts en Allemagne, les uns passés par la chambre à gaz, les autres morts de privation. Maintenant, j'ai 8 petits-enfants, dont les deux aînés sont partis soldats, viennent de partir soldats, et j'ai toujours peur qu'ils soient commandés justement par les officiers SS qui eux-mêmes nous avaient arrêtés et même commandé peut-être le peloton d'exécution de leur grand-père. Liberté de son pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Je ne crois pas que sa mort ait été vaine et j'espère que ce monde vive un jour en paix. Que dire encore? C'est terrible de penser à la guerre. Mon mari avait 35 ans quand il est mort à la guerre. Aujourd'hui, c'est mon fils qui a 35 ans. S'il devait y avoir une guerre, ce serait affreux. On ne peut même pas y penser. Je voudrais qu'il n'y ait jamais plus de guerre.
Je voudrais la paix dans le monde entier, comme toutes les femmes, afin que nos petits-enfants n'aient pas à vivre ce que nous avons vécu dans cette vie, dans cette guerre. Quand mon mari est mort, mon fils avait 2 ans, et au moment de cette première douleur, j'ai pensé que jamais plus je ne voudrais avoir d'enfant. Il a fallu que je l'élève toute seule. Et bien que je crois qu'il ait une vie assez agréable, c'est bien dommage qu'il n'ait jamais pu profiter de l'amour et de l'amitié d'un père. Ce n'est pas bien sûr un cas unique. C'est tragique qu'après toutes les victimes engendrées par le fascisme, on ne soit pas encore parvenu à le faire disparaître et qu'il fleurisse encore dans quelques coins du monde. Il est très triste de voir que certaines personnes qui détenaient le pouvoir avant la guerre, aujourd'hui en Allemagne, ont presque entièrement recouvré ce pouvoir. Ma vie est celle d'innombrables femmes dans le monde entier et en Allemagne, essentiellement marquée par le fascisme. Mon père, indigné devant ce qui se passait en Allemagne et d'un tempérament très vif, succomba à une crise cardiaque en 1933. Mon mari a été victime du fascisme. Sa famille a été assassinée dans les camps d'Auschwitz, Theresienstadt et Ravensbrück. Je restais seule avec mes 4 enfants et une inquiétude perpétuelle quant à leur vie. Dès la fin de la guerre, nous avons rassemblé toutes nos forces, toutes nos possibilités pour réaliser les espoirs qui nous avaient aidés à supporter la guerre. L'espoir de voir un jour une Allemagne unie et pacifique. Nous sommes heureux d'avoir pu aider, au moins dans une partie de l'Allemagne, à donner aux hommes un travail paisible et à leur permettre de commencer une nouvelle vie, une vie dans l'amitié avec tous les peuples du monde. Et au bout de nos efforts, il y a l'espoir qu'un jour, l'Allemagne reprenne sa place dans le monde, unie de manière pacifique et véritablement démocratique. Und am Ende steht die Hoffnung, dass eines Tages Deutschland friedlich, vereinigt und wirklich demokratisch seinen Platz in der Welt wieder einnimmt.